Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 juillet. Telle une traînée de poudre, la nouvelle a circulé tôt ce matin à Kinshasa. Elle a tétanisé nombreux et jeté dans les mois beaucoup d'autres. Le corps sans vie du ministre honoraire des Transports, Chérubin Okende, a été trouvé dans sa Jeep abandonnée sur l'avenue des Poids Lourds. Une situation qui mobilise au plus haut niveau de la République. Les réunions de sécurité urgentes se tiennent pour que les coupables répondent de leurs actes. Et sur Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, les agents des douanes semblent oublier l'exonération accordée au maïs. Des longues files des véhicules transportant des sacs de maïs s'observent à la frontière. Vous suivrez dans ce journal ce qu'il en est. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kinshasa et Jakarta comptent renforcer leur coopération dans le cadre de la coopération Sud-Sud. C'est le vœu exprimé par la délégation ministérielle indonésienne reçue hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Mangalima. Pierre Kibambe Somoïsa et Roger Dili. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans les secteurs des minéraux stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens ce mercredi dans son cabinet de travail du palais présidentiel du Mangalima avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des Affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique pour dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se joindre à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargé de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Et nous l'avions dit à l'entame de ce journal, elle est tombée comme une foudre ce matin à Kinshasa avec le décès du député national Chérubin Okende, ministre honoraire de transport. Ayant été informé, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a convoqué en urgence une réunion de sécurité à son cabinet pour tabler sur le cas de la mort de Chérubin Okende, dont le corps a été retrouvé sans vie dans son véhicule Patito Nongo. La mort de Chérubin Okende Senga, député national, ministre honoraire des Transports, un choc pour le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, bref, pour tous les Congolais. En urgence, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a convoqué une réunion de sécurité ce jeudi 13 juillet 2023 avec quelques membres du gouvernement, les responsables de l'ANER, de la DGM, de la police nationale congolaise et les commandants de la 14e région militaire. Il a été décidé l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet assassinat. Selon le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, le Premier ministre a réuni tous ses membres pour faire le point de la situation. Au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale. Mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services. Et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, les pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Mandal.
parce qu'il y a visiblement une volonté de semer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la Francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Quant aux spéculations sur les circonstances de la mort du porte-parole de l'Ensemble pour la République, Patrick Muyaya se garde de tirer dans la précipitation des conclusions. Nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé, il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend. Mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations. Nous, nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous, nous veillons sur le pays. Élu de Lukunga, Chérubin Okende a fait son entrée dans le gouvernement Sama 1 comme ministre des Transports en avril 2021. Après sa démission, il est resté porte-parole de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi jusqu'à sa mort ce jeudi 13 juillet 2023. Consternation totale à l'annonce de la mort tragique de Chérubin Okende, ministre honoraire des Transports et Voies de Communication. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné cet assassinat odieux et on appelle à l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce dossier. Même message relayé par le gouvernement, l'Union européenne a condamné cet acte ignoble. Un résumé de Skambal Kaïch. Elle est tombée dans la vanité de ce jeudi 13 juillet 2023. Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et Voies de Communication, a été retrouvé mort dans sa Jeep abandonnée sur l'avenue Poids Lourd, ici à Kinshasa. Un acte qui a suscité la consternation. Les autorités du pays ont tout de suite réagi. En premier, le chef de l'État a souligné dans son compte Twitter, je cite, « C'est avec émotion et consternation que j'ai appris la mort odieuse de Chérubin Okende, député national et ancien ministre des Transports. Tout en exprimant mes sincères condoléances à sa famille biologique et politique, je tiens à rassurer que tous les moyens seront mis en œuvre pour que cet acte crapuleux soit puni de la manière la plus ferme. » Fin de citation. Dans la même veine, le gouvernement de la République, par les biais de son porte-parole, Patrick Muyaya Katembwe, a condamné fermement cet acte ignoble. Le ministre de la Communication et des Médias a souligné la nécessité d'une enquête minutieuse. Et Patrick Muyaya d'ajouter, le gouvernement a instruit tous les services de sécurité de faire la lumière sur cet acte ignoble. Le gouvernement présente à cet effet ses condoléances les plus attristées à la famille, a-t-il indiqué. Message de compassion également des acteurs de la société civile et de l'Union européenne, qui en appelle à des enquêtes sérieuses pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Né à Kindu, dans la province du Maniema, le 5 octobre 1961, Chérubin Okende a été ministre des Transports d'avril 2021 à décembre 2022 et élu député national de la circonscription de Lukunga dans la ville-province Kinshasa.
L'information circule sur toutes les lèvres depuis ce matin de jeudi 13 juillet 2023. Le ministre honoraire des Transports, Chérubin Okendé, a été retrouvé mort ce jeudi dans sa voiture sur la route de poids lourd. La Cour constitutionnelle, dans un point de presse, a qualifié cette mort d'assassinat. Selon le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa, Gombe, feu Chérubin Okendé a été retrouvé mort dans sa voiture parquée, le moteur en marche, la climatisation allumée, ceinture de sécurité attachée, l'arme qui a servi à l'achever retrouvée dans le véhicule. À la question de savoir s'il a été enlevé à son arrivée à la Cour constitutionnelle, le procureur n'a ni confirmé ni infirmé le fait. C'est l'enquête en cours qui déterminera si oui ou non l'enlèvement a eu lieu à la Cour constitutionnelle. L'homme de la loi a mis en garde tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, propagent des faux bruits autour de cette mort tragique. Selon l'enquête, seule l'enquête permettra de mettre la main sur l'assassin et ainsi déférer devant la justice. Affaire à suivre. Et la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH en sigle, institution d'appui à la démocratie, a appris avec consternation la nouvelle du décès de l'honorable Chérubin Okendé, ministre honoraire de transport, député national et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, dont le corps sans vie a été retrouvé dans son véhicule à l'aube de ce jeudi 13 juillet 2023 sur l'avenue des Poids Lourds dans la commune de la Gombe à Kinshasa. La CNDH condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble et appelle la police nationale congolaise ainsi que les services de renseignement à redoubler des vigilances pour que de tels actes ne puissent se répéter à l'avenir et maintenir un climat apaisé sur toute l'étendue de la République. La CNDH exhorte le gouvernement à renforcer la sécurité des institutions, bâtiments et édifices publics. La CNDH en appelle en outre aux autorités judiciaires de prendre toutes les mesures de la situation et diligenter une enquête sérieuse en vue d'élucider toutes les circonstances qui entourent ce décès, qui en deuil toute la nation et en identifier toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin. La CNDH présente ses vives condoléances à la nation ainsi qu'à la famille tant biologique que politique de l'illustre disparu. La CNDH demeure saisie du dossier. C'est signé Paul Sapo Makoulou, président de la CNDH de Kinshasa, le 13 juillet 2023. Tout à fait autre chose à présent, les 9e Jeux de la Francophonie annoncent ses couleurs à 2 semaines de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone. Les invitations sont parvenues aux pays membres pour rehausser de leur présence la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet courant. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la Francophonie, Christophe Lutundula, a remis au nom du chef de l'État les invitations des mains des présidents ivoiriens, togolais et équato-guinéens. Doris Mozo. La République démocratique du Congo, qui se prépare à être sur le projecteur du monde francophone, fait fonctionner sa diplomatie pour que le 9e jeu de la francophonie ne soit pas seulement un événement sportif et culturel, mais surtout un instrument de rayonnement du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, envoyé spécial du chef de l'État, est dans sa routine. En 24 heures, le chef de la diplomatie congolaise a déposé les messages lui remis par le président de la République à ses homologues du Togo et de la Côte d'Ivoire. Le premier à recevoir son message, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a accueilli Christophe Lutundula à Kara, son village natal, avec un air détendu. Le chef de l'État togolais a remercié son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette marque de considération. Après 1h05 de vol, Christophe Lutundula Palapenapala a atterri à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ici, la capitale verte, on attendait aussi Christophe Lutundula Palapenapala. Alassane Ouattara a reçu avec beaucoup d'enthousiasme l'envoyé spécial. Il a loué les relations bilatérales très parfaites
qui existe entre la République démocratique du Congo et son pays. Comme le président togolais, il a reçu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Penapala, le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Il a pris le président des Affaires Tshisekedi du Tshilombo de me mandater auprès du président Alassane Ouattara pour l'obtenir informé et exprimer le désir ardent de mon compatriote de le compter parmi les personnalités africaines qui m'ont rehaussé de leur présence cette manifestation, cet événement important de la jeunesse des francophones internationales. D'ici le début du 9e jeu de la francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala reprendra les airs autant que le chef de l'État l'enverra sur d'autres capitales. Parlons du processus électoral en cours. Bientôt, les déploiements d'une mission d'observation électorale internationale à long terme. Sa faisabilité a été examinée froidement ce jeudi par le président de la CENI avec une délégation du centre Carter, Titi Samba. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima-Kazadi, et une délégation du centre Carter ont tourné autour des préparatifs des élections générales de décembre 2023, particulièrement sur la possibilité de cette organisation non gouvernementale américaine de mandater une mission d'observation électorale internationale en République démocratique du Congo. La délégation a été conduite par le professeur Edouard McMahon. Nous sommes très heureux d'avoir reçu de la part de la CENI et de la gouvernement également une invitation d'envoyer une mission. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Il est envisagé que ça pourrait être une mission à long terme pour vraiment connaître la réalité des choses ici et avoir une présence pendant une période de temps étendue autour des élections. On a eu une réception très positive. Nous espérons pouvoir avoir des élections légitimes et crédibles qui peuvent profiter tous les peuples congolais. La délégation a apprécié à leur juste valeur les explications reçues du président de la centrale électorale concernant le déroulement du processus électoral. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et les pétroliers nationaux se sont retrouvés chez le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Il était question d'harmoniser les vues sur l'assurance obligatoire à l'importation sur les produits pétroliers. Eddy Etchala et Amin Balaga. L'assurance obligatoire à l'importation a été lancée il y a peu par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle, conformément aux dispositions de l'article 231 du Code des assurances. En ce qui concerne les hydrocarbures, les pétroliers nationaux s'appuient sur les articles 106 et 107 de la loi portant régime général des hydrocarbures et ont une autre perception de cette assurance obligatoire. Un malentendu porté sur la table du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, pour harmonisation. Pour le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, dès lors que les risques liés aux produits importés sont localisés en République démocratique du Congo, l'importateur est assujetti et doit souscrire une assurance localement. Nous avons commencé des contrôles avec la DGDA depuis le 1er mars pour vérifier que toutes les importations respectent cette loi. Mais il se fait qu'il y a une particularité concernant le secteur pétrolier, qui est un secteur hautement stratégique et sensible, parce que dans la structure des prix aujourd'hui, telles que les choses sont fixées, les importations et les assurances sont directement payées à l'étranger. Ces produits payent déjà, avant même les chargements, les droits et les assurances. Nous prenons le produit sur place, nous ne pouvons pas payer encore une autre taxe parce que ça va influencer les coûts à la pompe. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le docteur Vital Kamerhe, suggère à l'ARCA et à l'Association des pétroliers nationaux de se joindre aux experts du ministère de l'économie nationale et ceux des hydrocarbures pour examiner en profondeur tous ces paramètres et dégager une voie royale qui mettra tout le monde d'accord. Des cargaisons des maïs de farine
Halte de vue bloquée à Kasumbalesa. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Les transporteurs s'étonnent de cet état de choses car cette cargaison a bénéficié des exonérations en bonne et due forme. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités nationales pour décanter cette situation afin de soulager la province de la crise des maïs qui la frappe en pleine figure. Regardez. Plusieurs camions remorques contenant de la farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud et de la Zambie sont bloqués à la douane de Kasumbalesa. Ce mardi 11 juillet 2023, des chauffeurs sud-africains et zambiens se plaignent d'avoir passé plus de 15 jours au parking de la douane congolaise à Kasumbalesa sans en connaître la raison. Moi personnellement, j'ai fait 4 jours déjà ici, mais je dois vous assurer que c'est vraiment un challenge pour rentrer et sortir de ces parkings congolais. Ça devient un défi. Un défi parce que j'ai des amis qui ont fait déjà plus d'une semaine ici. But now I spend 1 week. Moi, je fais une semaine ici. J'ai faim, je n'ai plus d'argent, je dois rentrer chez moi. Je ne comprends pas, depuis une semaine, je ne sais pas pourquoi on ne libère pas mon camion alors que je devrais déposer la farine un seul jour et rentrer chez moi. Interrogés à ce sujet, les déclarants de la farine des maïs reconnaissent l'application de l'exonération de toutes les taxes sur l'importation de la farine des maïs et se plaignent aussi du blocage de plus de 40 camions dans le parking de la DGDA à la frontière depuis 2 semaines. Pendant ce temps, plus de 70 camions de farine de maïs sont à la file d'attente pour traverser la frontière. D'après des sources douanières, l'exonération est d'application, mais le système bloque. À cela s'ajoute l'instabilité de la connexion du système qui rend encore plus difficiles les opérations. La farine importée doit se vendre à un prix de $15 maximum afin de baisser sensiblement le prix sur le marché. Ce blocage à la douane risque d'envenimer la situation qui s'améliorerait déjà d'après certains revendeurs. Après l'étape de Mwanda, la ministre d'État, ministre du Plan, est descendue à Songololo, à Banzangungu, dans la poursuite de sa mission d'évaluation du niveau d'exécution du programme de développement. Comme partout ailleurs où elle est passée, Judith Semenoua-Touluka a visité les infrastructures de base en pleine construction. Nos envoyés spéciaux, Françoise Bela et Pompomba. Mardi 11 juillet 2023. En mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée au territoire de Songololo. Ce programme, initié par le président de la République, prévoit de construire 13 infrastructures, notamment ce bâtiment administratif dont les travaux semblent ne pas s'exécuter correctement. La population dénonce le retard et quelques dysfonctionnements également exprimés par l'administrateur du territoire. Des mesures sont prises. Oui, bien que programme Oyo, ils ont volonté à chef de l'État, ton Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un programme initié par le chef de l'État. Il a souhaité que les écoles soient construites dans tous les territoires et secteurs, des centres de santé aussi, mais également des bâtiments administratifs pour les différents services de l'État. De constater que Il y a des mesures qui ont été prises pour l'accélération des travaux afin que les élèves étudient dans ces nouveaux bâtiments dès la rentrée scolaire prochaine. En tout cas, pas la classe, dans septembre, il faut pas zoner la classe. Le territoire de Songololo connaît d'autres problèmes. Le passage du membre du gouvernement Samalou Kondé semble être une aubaine. Le grand problème du territoire de Songololo, c'est le manque d'électricité. Pas du courant, pas d'eau dans ce territoire. Pour ce même territoire, 8 centres de santé et 4 écoles primaires sont également prévus. La population exprime une gratitude au chef de l'État qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Congo profond. Et l'électrification des milieux ruraux, cette vision du président de la République prend lisiblement forme dans le Kwilu, précisément dans la mission catholique de Kilembe. Cette centrale solaire a été inaugurée dernièrement à la satisfaction générale. Ramazani Molanda. La mission de Kilembe, nous sommes ici dans les zones rurales longeant la route nationale numéro 1 sur son tronçon compris
entre Kikwit et Tshikapa, à environ 700 km de Kinshasa, vient d'accéder à l'électrification grâce à la centrale solaire des 70 kW, installée par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serrant sigle. L'inauguration a eu lieu le dimanche 9 juillet dernier. À la différence d'autres localités rurales, Kilembe a l'avantage d'être d'un accès facile en raison de sa localisation sur les bords de la route nationale allant vers Tshikapa, une route asphaltée et en très bon état. Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, a à cette occasion exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je remercie le président de la République pour l'attention qu'il a daigné accorder une fois de plus à une mission du diocèse d'Idiofa. Mais comme vous le savez, je suis avec vous dans ce combat. Et pour le directeur général adjoint d'Anser, grâce à l'électrification de la mission catholique de Kilembe, un autre pas a été accompli par l'Anser dans son ambition d'électrification rurale au Congo. Et dans le cadre du plan de développement local, le 145 territoire, pour son volet électrification, la mission catholique de Kilembe est électrifiée 16 jours. Grâce à la volonté de son excellence, Monsieur le Président de la République. Avec l'électrification rurale, les effets positifs et les retombées socio-économiques attendues ne tarderont pas certainement à se faire sentir dans cette région. Le président fondateur d'Africell séjourne à Kinshasa, la capitale. Il parle de l'histoire de la création d'Africell, des ambitions de cette entreprise de télécommunications qui a investi en Afrique et qui a lancé ses opérations en République démocratique du Congo en 2012. Avant de vous proposer la page magazine juste après ce journal, suivez les propos du président fondateur d'Africell, le PDG Ziad Daloud, recueilli par Yolande Voka. Notre ambition est d'être le meilleur opérateur possible dans le digital et la créativité pour le développement socio-économique des communautés. Parce que je vise toujours l'impact social significatif pour la majorité de nos investissements. Et deuxièmement, parce que nous ne craignons pas les défis des marchés compliqués. Aussi parce que c'est un accélérateur pour les autres secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, l'éducation, la santé, le divertissement ou les finances. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur les personnes. Il est essentiel de constituer une équipe diversifiée, inclusive et dynamique. Africell emploie des personnes de plus de 25 nationalités réparties dans 8 pays. Ensuite, l'approche à long terme, le succès est au rendez-vous si vous agissez comme un ami de confiance et non comme un partenaire commercial à court terme. Et puis, la neutralité est essentielle, ne pas se mêler de la politique et se concentrer avant tout sur les besoins de ses clients. Enfin, une pertinence culturelle, suivre les tendances culturelles et comprendre ce qui fait vibrer les gens, la communauté, musique, divertissement, art, style de vie, etc. Le premier forum économique sur la nouvelle économie du climat dénommé FENEC 2023, les travaux préparatoires évoluent normalement pour harmoniser les vues. L'envoyé spécial du chef de l'État en matière de l'environnement climatique, Stéphanie Mbombo, a échangé avec la ministre d'État, Eve Bazaïba, Nadine Futuka. Le premier forum économique sur la nouvelle économie du climat FENEC 2023 s'annonce. L'envoyé spécial du chef de l'État en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo-Mwamba, l'a évoqué ce mercredi 12 juillet 2023 avec la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable. Eve Bazaïba et son hôte ont fait le tour d'horizons d'idées fédératrices d'accompagnement du secteur privé congolais afin d'attirer les bénéfices du marché carbone. C'est un forum qui va réunir plusieurs secteurs privés parce qu'ici en RDC, il y a plusieurs compagnies congolaises qui sont dans le business vert, dans l'industrie circulaire, mais qui ne sont pas au courant que leur modèle d'affaires peut générer le crédit carbone. Donc l'idée, c'est vraiment sensibiliser ces compagnies, les accompagner à accéder au crédit carbone d'une part, et de l'autre part, encourager les compagnies qui sont encore dans
dans le business moins responsable au niveau de l'environnement, de changer leur modèle d'affaires pour que leur business soit plus responsable. Cela va d'abord contribuer à l'assainissement, à la protection de l'environnement, à lutter contre le changement climatique, mais aussi à leur donner toute cette opportunité qu'il y a énorme dans le marché de crédit carbone, qui peut leur booster leur business, qui peut augmenter leur chiffre d'affaires et agrandir leurs industries, leur commerce. Le forum en préparation est prévu du 19 au 21 juillet 2023 au Fleuve Congo Hôtel dans la ville Provence Kinshasa. De Kolwezi, dans le Lualaba, accueille l'atelier de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes à destruction massive. À travers ses travaux, la CNRF entend sensibiliser les acteurs qui œuvrent dans le service de sécurité publique et autres acteurs de prise de décision sur la loi du 27 décembre 2022. Guy Matundou. La ville de Kolwezi abrite un atelier provincial de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Organisé par la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CNRF en sigle, il s'est agi de sensibiliser sur la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 à l'attention des acteurs qui œuvrent dans les services de sécurité publique et autres acteurs de prise de décision. Dans son mot d'ouverture, André Mbuyumugo, secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, est revenu sur la nature de cette structure. Placée sous la tutelle du ministre ayant des finances dans ses attributions, la CNRF est l'instrument de l'autorité publique congolaise destinée à limiter la vulnérabilité au blanchiment des capitaux dans le système financier de la RDC. Cet exercice de l'évaluation nationale des risques témoigne, une fois encore, de la volonté et de la détermination de l'autorité congolaise de se doter d'un dispositif, non seulement conforme aux standards internationaux, mais aussi le mieux à même de garantir l'intégrité d'un système financier national, gage de l'attrait des investissements sains. Il s'en est suivi différents mots. C'est notamment celui de Rémi Cabois, expert financier CNRF. Il a développé sur la caution qui gangrène différents services et les efforts du gouvernement pour sortir de cette crise. Maître Patrick Mbaji a quant à lui présenté les innovations de la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Cet atelier part du 12 au 14 juillet 2023. Dans le cadre de sa mission de contribuer au développement industriel de la République démocratique du Congo, le Fonds de promotion de l'industrie intensifie les formations sur la performance afin d'accomplir ses objectifs. Alain Bikay. Le Fonds de l'industrie s'engage dans une formation intensive sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Cette initiative qui se déroule à Kinshasa du 11 au 21 juillet 2023 est organisée en collaboration avec le Washington International Management Institute. L'objectif principal de cette formation est de fournir aux cadres et agents du FPI les outils nécessaires pour relever les défis du développement du secteur industriel congolais. Lors de l'ouverture de cette session de formation, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a souligné l'importance du thème choisi en lien avec l'appel du président de la République à réduire la pauvreté dans les pays. Le numéro 1 du FPI a affirmé que les idées qui vont être au cœur de cette formation s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de modernisation et de renforcement de la gestion publique adoptée par le gouvernement congolais. La thématique de cette formation est d'une importance capitale en ces temps où nous sommes tous interpellés par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travailler ensemble avec des méthodes et diligences afin de réduire significativement la pauvreté dans notre pays, conformément à ce mot d'ordre, le peuple d'abord. Une approche qui favorise, a-t-il expliqué, une gestion publique saine, transparente et efficace basée sur la redevabilité et les partenariats avec tous les acteurs du développement. Cette collaboration avec le Washington International Management Institute témoigne que de l'engagement du FPI à investir dans le développement des ressources humaines en vue de favoriser une industrialisation durable en République démocratique du Congo. Le
C'est Ruben Okende a été retrouvé mort ce jeudi. Et bien, la Cour constitutionnelle, dans un point de presse, a qualifié cette mort d'assassinat. Selon le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe, feu Chérubin Okende a été retrouvé mort dans sa voiture parquée, le moteur en marche, la climatisation allumée, ceinture de sécurité attachée, l'arme qui a servi à l'achever retrouvée dans son véhicule. À la question de savoir s'il a été enlevé à son arrivée à la Cour constitutionnelle, le procureur n'a ni confirmé ni affirmé le fait. On l'écoute. La triste nouvelle qui nous a tous plombés dès ce matin, c'est ce qui fait que, de prime abord, le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Vers les circonstances de la mort du regretté Chérubin, enlevé à la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Où feu Chérubin Okende était déjà en pourparler avec un juge, pour qu'il puisse se rencontrer, donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Qui a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, ou d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h, 2 minutes, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h, mais en réponse à la correspondance, il vient déposer la suite à 16h, et ça a été enregistré à 16h, 2 minutes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Tchoumbé dans le son Kourou et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Bonsoir sur vous.